Bon matin, mon petit kiki d'amour! Nous sommes dans la liste 3, phrase 2. Je lis la phrase. J'ai des sabots de bois. Tu sais, les sabots, les chevaux, ils en ont dans leurs pattes pour pas se faire mal. Donc, c'est le bout. Le bout, nous, on a des pieds, des mains. Les chevaux ont des sabots. J'ai des sabots de bois. C'est aussi une sorte de soulier, les sabots. Quand on a des gros souliers qui font tonton, tonton, on appelle ça des sabots. J'ai des sabots de bois et tu as un pantalon de soie verte. J'ai. Ah ah! C'est le verbe avoir. Première personne du singulier. J'y apostrophe et A-I. J'ai. Des. Oui, c'est un déterminant. Tu connais comment écrire tes déterminants, hein? Surtout des. Des sabots. Sabots? Il y a un T muet à la fin. Et il n'y a pas juste un sabot, il y en a plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on met à la fin de sabot? Eh oui, un S. J'ai des sabots de bois. Bois. Alors, ça va bûcher du bois, hein? Ouais, oh, ben, oh, OK. J'ai des sabots de bois et tu as. Oh, encore le verbe avoir. J'ai apostrophe I. Tu as. Tu as. Le tu, il aime les S. Souvent, souvent, quand c'est tu, le verbe à côté, il a un S. Tu as. A va s'écrire A-S. Ben, c'est le verbe avoir à la deuxième personne du singulier. Et oui! Et tu as un pantalon. Un pantalon. Ça va? Un pantalon de soie. La soie comme le vêtement. Et ça, c'est pas de la soie, mais c'est tout la soie. De soie verte. Verte. Donc, j'ai des sabots de bois. Et tu as un pantalon de soie verte. Point. Corrige ta phrase, mon petit chéri. Tu as fini? Commence ton travail personnel et sois prêt pour mon cours. Bisous! Bye bye!